Pourquoi une constituante? Parce qu'il y en a marre de la monarchie républicaine. Parce que c'est quelque chose qui ne veut absolument rien dire, qui est totalement déconnecté de tout, des citoyens, de la réalité. Il y a 12 millions de personnes qui vivent en situation de précarité en France. On dit que c'est la crise, mais c'est pas la crise du tout, parce que pour les gens, les 0,01% les plus riches, ils ont fait 29% de plus l'an dernier. Donc on est dans une situation qui ne correspond plus à rien de ce que sont démocratie et république, c'est-à-dire les deux mamelles les plus importantes de notre triptyque, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Pour arriver à rechanger, pour arriver à redonner du nerf à ce qu'est la République, à ce que peut être l'expression de la démocratie, il faut une constituante. Cette constituante, elle permettra qu'on arrêtera à chaque fois d'aller contre la volonté du peuple, comme ce fut le cas à la suite du référendum, on arrivera à ce que le peuple se reprenne en main. C'est tout, c'est notre exigence, c'est pour ça qu'il faut...